Bonjour, bonjour, on se retrouve après beaucoup de temps. Voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai pas filmé, vous avez dû le voir si vous suivez la chaîne ou si vous regardez simplement les anciennes vidéos. Bref, j'ai décidé pour reprendre en douceur, on va dire, cette chaîne, de faire un vlog couture. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, je sais pas si ça va être intéressant, je sais pas si... S'il va y avoir assez de choses à dire et à faire dans ce vlog, du coup je sais pas, enfin je sais quand est-ce qu'il commence, mais je sais pas quand est-ce qu'il va finir au final. C'est très confus ce que je dis, mais ça fait très longtemps que j'ai pas parlé devant une caméra et j'étais déjà pas très à l'aise avant. Bref, je commence parce que je viens de recevoir une commande du site Driessenstoffen. En ce moment, je suis en pleine confection de cadeaux de Noël. Là, je suis sur des sweats pour trois bébés et deux adultes. J'ai déjà bien commencé. Plus un autre bébé et un autre adulte. Donc, au final, pardon, quatre bébés, trois adultes. Voilà. Et je vais vous montrer tout de suite ma commande. Ouais. Ah, on n'est pas sûr. Sur du grand YouTube hein. Ici c'est ah là va comme je te pousse. Alors là ce que j'ai commandé c'est pour faire des cache-cou. Si vous me suivez sur Instagram vous avez vu que j'en ai fait pour mon fils. J'en ai fait deux mais sur Instagram j'en ai montré qu'un. Bah je reviens, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, là je vous ai pris le deuxième que j'ai fait à mon fils. Donc il y a un côté extérieur, là je l'ai fait en jersey et le côté intérieur. Là c'est l'envers d'un sweat. Du coup c'est voilà molletonné comme ça, c'est assez épais et tout doux. Et c'est le modèle pistache. J'ai pas coupé les fils, hop, de Clafoutis Couture. J'ai découvert cette marque très récemment parce qu'ils font, ou elle fait, je crois que c'est une femme qui gère ça, mais bref, des patrons de maternité et pour bébé. Je sais pas s'il y a adulte hors maternité. Enfin voilà, c'est plutôt grossesse, allaitement et enfant. Et du coup, ce modèle-là est disponible en plusieurs tailles. Je crois que c'est des 3 mois jusqu'à la taille adulte en fait. Enfin, c'est 12 ans adulte. Donc, comme j'ai beaucoup aimé le modèle, je vais en faire un pour moi, pour mon conjoint et pour ma mère. Et du coup, ça sera dans mes cadeaux de Noël. Donc, sur Driessenstoffen, j'ai commandé ce tissu. Oh, il est super doux. C'est du tissu plaid en fait, voilà, que vous pouvez retrouver dans les magasins de déco. C'est clairement du plaid. Bah, d'ailleurs, j'en ai juste derrière moi, voilà, c'est à peu près pareil. Ouh, désolé, le chat, je te cache. Ouais, c'est à peu près pareil, mais en beaucoup plus doux encore. Oh, cette texture est hyper agréable. C'est le tissu Wellness Polar, quelque chose comme ça. Donc voilà, bref, c'est de la polaire hyper hyper douce. Donc voilà, j'en ai pris un gris. Par contre, oh là là, ça perd énormément de peluche. Je pense que c'est parce qu'il venait juste d'être coupé. Bon, de toute façon, il va passer tout de suite à la machine. Et pour l'envers, j'ai pris ce tissu-là. C'est un tissu jogging, je crois, qui est couleur jean. Et du coup je me dis qu'avec le gris ça ira bien. Bon là les couleurs dans le téléphone sont pas hyper fidèles mais voilà, bleu marine et gris, j'aime bien, ça fait à peu près comme les couleurs du tour de cou de mon bébé. Donc voilà, j'aime bien. Et ça c'est déjà hyper épais, j'avais hésité à le prendre en jersey plutôt fin. Et finalement, je me suis dit que le fait de prendre comme ça en tissu sweat, ça me permettrait de faire autre chose s'il m'en reste. Mais clairement, juste ça, ça serait déjà assez chaud pour le tour de cou. Donc, les deux ensemble, voilà, ça sera bien bien chaud. Je sais pourquoi je l'ai pris plus épais. C'est parce que je veux aussi me servir de ces tissus-là
pour faire un nid d'ange qui se met dans le siège auto. Si vous n'avez pas d'enfant, vous voyez peut-être pas de quoi je parle. En fait, ça sera une sorte de couverture carrée, tout simplement, avec les ouvertures pour passer le harnais du siège auto. Comme ça se met étalé dans le siège auto. Vous installez l'enfant, vous pouvez l'attacher et refermer la couverture par-dessus. Ça évite que lui porte trop d'épaisseur et que ce soit pas assez sécuritaire en voiture. Voilà, parce qu'il faut éviter d'avoir sous le harnais, par exemple, une grosse doudoune ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et comme ça, je me dis qu'il aura bien chaud. Il y aura pas besoin de mettre une couverture en plus. Bref. Ensuite, j'essaie de me remémorer un peu. Oui, j'ai pris. Alors, je croyais. Ah, zut. Je croyais avoir pris un tissu un peu plus épais. J'ai peut-être fait exprès. Je sais plus. Bref, j'ai pris du jersey marron. Toujours pour le cadeau de Noël, pour faire un haut. J'avais déjà oublié que je l'avais pris tellement que je suis dans les cadeaux en ce moment. Et enfin voilà, il y a plein de trucs à penser. Donc voilà, jersey de coton un peu épais. Voilà. Je vais faire le plantain de Dirindo. J'espère avoir le temps. Là, on est le 28 ou le 29 novembre. Je sais pas, je vous l'aurai marqué à l'écran, je pense. Et j'ai encore pas mal de trucs à faire. Là, je me suis pris un tissu comme ça. Un jersey bah, texturé hein, pour faire style maille, mais la couleur dans le téléphone me plaît beaucoup plus que la couleur que j'ai face à moi. Bon, je sais pas, à voir. Peut-être qu'une fois que je l'aurai cousu, le voir en vêtements, ça me plaira davantage. Je sais pas. En fait, il est un petit peu chiné. On voit qu'il y a un petit peu de blanc et je pensais qu'il était vraiment tout uni. En image, on voyait pas très bien. Mais bon, bref. Je me dis que ça pourrait faire un tour de cou. Je vois des tours de cou partout maintenant, dans tous les tissus. Je les envisage tellement que j'aime ce modèle. Donc oui, peut-être un tour de cou en plus. Là, je l'ai pris pour me faire un haut. Mais je crois que j'ai pas du tout. Peut-être un givre. Je crois que j'avais pas d'idée de modèle en tête, il me semble. Donc ouais, peut-être un givre. Un petit peu. En plus, l'intérieur, il n'est pas très agréable. Ah oui, il gratte un peu. Bah, c'est du jacquard. Voilà pourquoi. C'est du jacquard. Mais bien extensible. Enfin, bien. Oui, si, bien extensible. Bref, on verra. Mais un peu déçu, c'est dommage. Bon, ça va que Dressenstoffen, c'est pas très cher, mais bon. Ça, plus ça, plus ça. D'autant que j'ai d'autres commandes. Une autre commande qui va arriver parce que pour mes sweats, donc j'avais pris du Borcotte, mais j'en ai pas pris assez pour tout ce que j'ai à faire, donc j'ai dû recommander. Et bien sûr, je n'ai pas commandé que ça, donc j'ai pris aussi d'autres tissus. Donc bref, ça commence à faire un peu. Et il y a ce tissu-là aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est une matière côtelée comme ça, un jersey côtelé. Et ça me fait penser un peu aux robes de tennis. J'aimais beaucoup la couleur, l'imprimé. Je sais plus combien de métrages j'en ai pris, mais je crois que j'ai pris de quoi me faire une robe bah justement comme ça, près du corps. Peut-être pas à polo. Peut-être une robe givre de Dirindo. Et je crois que j'en ai pris un peu plus aussi pour me faire un haut. Manche courte ou manche longue, je sais plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Si je peux faire quelque chose pour mon bébé, ce serait cool aussi. Pour l'été prochain. Et je crois que c'est de la viscose. Il est très fin. Alors voilà, c'est ça qui me fait un peu peur aussi, c'est qu'il est très fin. Du coup, si je me fais une robe, j'ai peur qu'on voit tout, quoi. On verra bien. Je vais vous montrer. Donc je suis sur mes sweats. Il y en aura deux de cette couleur-là. Un que j'ai déjà coupé, comme vous voyez, pour un bébé. Et un autre en taille adulte pour la maman. Et les autres, vous avez déjà vu le Borcotte. Donc c'est la même couleur. Voilà. Donc là, j'en ai trois bébés et deux adultes. Voilà.
Donc, j'ai pas mal de boulot. Bah, je vais vous montrer au fur et à mesure. Là, je suis vraiment sur la coupe des sweats à fond. Et j'en ai un à décalquer. Hello, je vous retrouve vraiment au pire du pire de ce que vous pourrez voir de moi, avec ma coiffure de nuit, mon pyjama. On est un peu trop proches, vous et moi. Bref, là j'ai bien avancé, j'ai coupé tous les sweats, les tours de cou, je suis en train de couper le second tissu, celui qui sera à l'extérieur, et j'ai d'ailleurs fait une erreur. Sur l'un d'eux, j'ai coupé au pli, mais sur le mauvais côté. Du coup, je me retrouve avec deux pièces et je vais devoir faire une couture en plein milieu. Du coup, celui-là, je le réserve pour moi. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. C'est le fait d'en faire plusieurs à la chaîne. Après, mon cerveau, il se déconnecte. J'ai aussi coupé autre chose que je vous avais pas dit. Mais sur le forum de Thread and Needles, une des couturières parlait d'un site qui s'appelle trishnewberry.com et j'ai vu dans les patrons gratuits, en général quand je découvre un nouveau site de patron, je vais voir déjà dans les patrons gratuits, comme ça si vous voulez tester la marque, voir si... Bah, si le patron est bien, que c'est bien expliqué, tout ça, c'est bien de commencer par un patron gratuit, du coup vous perdez rien. Et celui-là me plaisait beaucoup parce que c'est... Bon, je vous montre comme ça, mais c'est juste deux rectangles. C'est un bandeau, mais doublé Sherpa. Du coup, je vais prendre le même tissu que pour mes tours de cou. Là, j'avais pris un espèce de tissu polaire comme un plaid en fait. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Je vais prendre ça avec une maille que j'avais déjà. Si vous l'avez déjà vu sur Instagram, parce que je m'étais fait une robe dedans. Voilà, c'était un gros coupon de 3 mètres que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre. Et il m'en reste encore. J'ai fait une robe, un gilet pour moi, j'ai coupé un gilet pour mon fils. Et il m'en reste encore. Il me reste encore pas mal quoi. Du coup, voilà, il y aura. Je vais en faire deux. Pour une amie, ce sera ce côté-là, donc le côté avec lequel j'avais fait ma robe. Et pour moi, je vais prendre l'envers. Alors, je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, parce qu'il est un peu transparent du coup. Comme là, l'écran est un peu jauni, j'ai l'impression que ça fait verdâtre. Mais c'est un vrai bleu marine. Voilà, donc moi, j'aurai ce côté-là. C'est un peu plus dans les couleurs que je porte. Donc voilà, et ça fait torsadé sur l'avant. Enfin, c'est assez sympa. Parce que, vu que j'ai les cheveux très très longs, je les attache souvent. Ouais, je sors quasi très très peu avec les cheveux lâchés parce qu'ils s'en mêlent hyper vite. Enfin, bref. Et du coup, je peux pas mettre de bonnet fatalement. Donc là, c'est bien. Ce système de bandeau, bon, je connaissais déjà parce que dans les accessoires de montagne, c'est fréquent qu'on voit ces bandeaux-là, mais je ne sais pas pourquoi je m'en étais jamais acheté. Donc là, le fait d'avoir vu le patron, c'est pour ça que c'est bien aussi d'aller gratter un petit peu les patrons quand vous découvrez une marque. Comme là, j'ai le patron, bah, du coup, je me suis dit,
que j'allais le faire. En plus, il est hyper simple, hein, donc voilà, je vous montrerai ça. J'aimerais bien avancer sur vraiment les coutures, quoi, parce que là, j'ai plein de petits tas de pièces un petit peu partout et j'aime pas ça en fait. J'ai l'impression de m'éparpiller, voilà, ça me plaît pas du tout. Donc j'aimerais bien coudre quand même quelques projets histoire de me dire que j'avance et qu'il y a des cadeaux au moins de vraiment faits, parce que là, il n'y en a aucun qui est fini pour le coup. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre, ça fait très longtemps du coup que j'ai pas repris le vlog. En fait, comme j'ai cousu un petit peu par-ci par-là, voilà, dès que j'avais 5-10 minutes de libre, j'ai pas repris le vlog à chaque fois. Alors là, le problème, c'est que j'ai déjà emballé pas mal de cadeaux. Je vous mettrai quand même des photos à l'écran, et si c'est pas à l'écran, ça sera sur Instagram. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer. Déjà, celui que j'étais en train d'emballer, je vais vous le montrer du coup. C'est donc le plantain que je vais offrir, moi forcément, vu qu'il est emballé. Alors, comment je le défais? Hop! Voilà, alors j'avais prévu de faire en manche longue, mais je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai pas pris assez de tissu. Ou alors c'est que j'ai mal disposé les pièces de mon patron. Donc voilà, tant pis, ça sera un manche courte. Bon, je me dis, il sera porté quand même, et là en hiver, bah, ça sera sous un pull ou un gilet, et puis voilà. J'ai mis ma petite étiquette, je sais que ça va faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Donc voilà un t-shirt plantain de Dirndl en jersey de coton du site Dressenstufen, mais je crois que je vous avais montré déjà quand j'ai reçu les tissus. Donc je le plie rapidement. Oh, j'ai pas envie qu'ils prennent des poils de chat. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait donc plusieurs sweats. J'ai quasiment fait que ça. Donc on a celui-ci. C'est le sweat Nixie de Urban Fairy. Alors j'ai mis un peu de temps à le finir parce que j'avais pas commandé assez de borcotes. Ça va être que ça. Des commandes de tissus que j'ai dû faire en plus. Donc avec les frais de port à chaque fois, voilà. Donc là il me manquait de quoi faire la bande de taille. Donc maintenant c'est bon, il est fini. Et il y a exactement le même version mini mini pour la fille de la personne à qui je vais l'offrir du coup. Comme ça, les deux seront assortis. Donc là, il me reste à repasser du coup. J'ai fait ensuite trois tours de cou comme celui-ci. Voilà, pareil, je vous avais montré les tissus qui viennent de Dressenstufen, toujours avec une petite étiquette. Ensuite, il y a plusieurs sweats. Alors, pareil, je vous mettrai des photos. C'est un peu dommage. J'ai fait en fait dans cette couleur-là. Vous voyez pas très très bien la couleur. C'est plus foncé en vrai. Là, vous le voyez plus, plus ouais, rouge. Ouais, non, vous voyez beaucoup plus clair que ce que c'est. Plus un violine, un vrai bordeaux quoi, en vrai. Et donc j'en ai fait comme ça pour trois enfants. Oui, trois enfants. Et deux adultes. Et ils sont tous pareils. Il y a l'initiale comme ça sur le côté. Donc la version enfant, c'est super mignon. Malheureusement, je les ai... Ah non, j'ai pas emballé celui de mon fils. Donc je vous montre. Voilà. Donc les trois sont comme ça. Avec les petites pressions argentées plates. Voilà, ça c'est celui pour mon fils et les deux autres sont identiques mais avec l'initiale du coup de chaque bébé. Hop, et c'est ce borcotte là que j'ai dû recommander parce que j'en avais pas pris assez tout simplement. Du coup, bah là, vous le voyez pas fini. Pareil, celui-là, c'est ma version et c'est le... C'est aussi le sweat Nixie d'Urban Fairy, j'ai pris le même. Donc voilà, il me reste juste la bande de taille à faire. Et bien sûr, sur ma surjeteuse, c'est du fil blanc puisque j'ai fait l'autre juste avant. Et voilà, pareil, là j'ai
une version homme et il manque aussi la bande de taille. Version homme, c'est le sweat Andrea de Petit Patron. Et j'ai mes bandes de taille coupées, donc il me reste ça à finir. C'est pas des cadeaux de Noël, donc c'est pas très grave. En cadeau de Noël, tout est fini. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais prévu une chancelière de poussette et au final, j'avais pas assez de tissu encore. J'en avais un peu marre. Ça a été que ça, vraiment que ça, à chaque fois de pas avoir assez de tissu. Donc ça a fini en plaid. Et ce que je vais faire, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, je vais refaire du coup une version plaid un peu comme ça, mais avec les trous. Pour mettre le harnais dans le siège auto, parce que je me rends compte finalement que c'est quand même froid le siège auto quand il est resté dans la voiture, donc même habillé, voilà, c'est assez froid dans le dos. Donc je vais racheter quand je pourrai les mêmes tissus ou à peu près, et ensuite je mettrai des boutons sur les côtés pour relier du coup la partie qui sera sur le siège auto et la couverture. Voilà, je mettrai des boutons comme ça je pourrai l'utiliser soit en plaid. Soit relié comme ça à la chancelière du siège auto. Je sais pas si c'est très clair, je crois pas du tout, je sais pas. Mais de toute façon, je vous montrerai des photos. Enfin, ça sera sûrement sur mon compte Instagram si je n'en fais pas une vidéo. Je sais pas si je vais clôturer ce vlog ici. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes parce qu'il est évident que vous verrez ce vlog après, malheureusement. Mais voilà, ça peut vous donner peut-être des idées cadeaux couture pour l'année prochaine. Moi, pour l'année prochaine, je vais essayer de faire plus de cadeaux faits main, même si là, il y en aura pas mal. Je sais qu'il y a des personnes de mon entourage à qui ça peut plaire. Et je vais essayer de faire des cadeaux tricot-crochet, parce que là, j'aimerais apprendre vraiment le tricot. Le crochet, je fais pas des choses très fofolles, mais voilà, je connais un peu plus. Je trouve ça quand même plus simple, pas forcément pour comprendre les diagrammes de crochet, mais dans la technique, je trouve ça plus simple. Mais là, j'ai vraiment envie de me mettre au tricot, donc mon objectif, c'est pour Noël prochain de pouvoir faire des cadeaux au tricot. On verra bien. Je filmerai quand même. Il y a peut-être des gens que ça intéresse, qui font à la fois de la couture et du tricot, ou alors qui ont envie de s'y mettre. Donc voilà, ça sera mon petit objectif 2022. J'ai toujours des objectifs couture aussi. J'aimerais offrir un chino. J'ai le patron des BG depuis hyper longtemps. Ouais, c'est quand j'avais été au salon du CSF. Donc ça devait être en tout début de la couture, donc 2017. Ouais, fin 2017 ou alors c'était à Aiguille en fait, donc début 2018. Enfin voilà. Et j'ai toujours pas fait ce chino, j'ai toujours pas cousu de braguette. C'était mon objectif, pas ultime, mais un bon objectif quand même, parce que ça me paraît assez compliqué. Donc peut-être que ça sera mon objectif 2022, voilà, d'offrir un pantalon avec braguette. On se retrouve bien plus tard, puisqu'on est le 12 février. Et comme j'avais pas fait le montage des vidéos qui parlaient des cadeaux de Noël, je me suis dit que de toute façon j'allais pas vous le publier assez tôt. Donc j'ai préféré continuer le vlog. Désolée, j'ai eu une notification. Et là je voulais vous montrer, vu que c'est un vlog pas uniquement couture mais loisirs créatifs on va dire, je voulais vous montrer ma petite commande de laine que j'ai passée chez Rascol. J'ai une autre commande que je vous montrerai aussi qui vient d'un autre site internet mais qui devrait arriver plus tard. Alors, je veux apprendre à tricoter des chaussettes parce que je me suis remise au tricot. En fait, je tricote comme ça ponctuellement depuis plusieurs années, mais j'ai jamais vraiment appris les techniques tricot ou j'ai jamais essayé de suivre un patron, tout ça. Voilà, je faisais du point mousse, du point jersey. Le seul projet avec patron que j'ai fait il y a quelques années, c'est suite à l'achat d'un kit de chez We Are Knitters. À une époque où j'ai voulu me remettre au tricot, j'avais fait un haut d'été tout simple. C'est un rectangle et un autre rectangle cousu sur les côtés et au niveau des épaules. Un haut du coup en coton. Je vous mettrai une image qui provient du site ici.
Et voilà, et après ça, j'avais pas continué. Et là, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et surtout, de tricoter des chaussettes. J'ai un projet tricot là en cours. Je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée. J'avais aussi fait un gilet qu'on appelle brassière pour mon bébé pour la naissance, mais qui était trop petit pour porter sur un pyjama et j'avais pas réussi à lui remettre après, puisque les premiers temps il le passe beaucoup en pyjama. Donc j'avais fait ça et j'ai refait un gilet, mais cette fois au crochet pour mon bébé. Pareil, je vous montrerai, je pense, dans la prochaine vidéo qui sera vraiment dédiée à toutes mes réalisations tricot, crochet. Bref, je vous montre enfin ma commande de laine. Alors, il n'y a pas que la laine à chaussettes, mais il y a celle-ci. Alors, c'est taille fingering, un petit peu plus fin. Ouais, parce que c'est 420 mètres pour 100 grammes et la fingering en général c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, un petit peu plus fin. Et j'aime beaucoup ce dégradé de couleur. J'avais regardé ce que ça donnerait déjà sur le site de Ravelry. Si vous voulez voir mon Ravelry qui pour l'instant est vide mais qui va se remplir au fur et à mesure, j'espère. C'est pareil, c'est le pompon déjanté aussi. Donc voilà, c'est de la laine. Je ne sais pas si vous la voyez à l'envers. Moi, quand je regarde le retour, je vois à l'envers. C'est Schweppes ou Schweppes, je ne sais pas comment on dit. Et c'est la gamme Our Tribe. Et c'est la teinte Canada Dutch. Voilà, donc là, logiquement, j'ai de quoi faire, si j'utilise un contrastant, deux paires de chaussettes. Alors, attendez, j'ai 100 grammes ou... Oui, j'ai 100 grammes, donc normalement j'ai de quoi faire deux paires de chaussettes. On verra bien. Ensuite, comment dire? Moi je porte, bon j'en ai jamais fait, mais en tout cas je porte pas de chaussettes en laine. Les chaussettes qu'on porte en général sont en coton. Je préfère tenter les chaussettes en coton, coton et polyamide et un petit peu de polyester. C'est ce qu'ils appellent la laine d'été, enfin... Oui, laine à chaussettes d'été. Mais moi, je pense que c'est ce dont je vais me servir pour me faire des chaussettes toute l'année. Parce que j'ai très vite chaud aux pieds, en fait. Donc, j'ai peur qu'avec la laine, j'ai trop chaud aux pieds. Donc, je vais quand même le tenter. Et au pire, ça pourra être utile quand je passe... Je sais pas si vous avez vu le chat sauter par-dessus le téléphone. Quand je passe un peu de temps dehors l'hiver, ce qui est assez rare. Mais bon, ça peut arriver. C'est un peu décousu ce que je dis, enfin, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Bref, cette laine-là risque de me faire des chaussettes pour toute l'année, même si c'est dit laine d'été. Voilà. Donc c'est de la laine Regia de la gamme Tutti Frutti. Et là j'ai pris la version fraise. Donc je sais pas si vous verrez bien. Bon déjà si ça veut bien faire le focus. Bon, on voit pas très bien les rayures, voilà, parce que c'est de la laine autorayante. Enfin, de laine, pas vraiment laine du coup, mais bref, vous m'avez compris. Donc voilà, ça fera des petites rayures et il y en a certaines un petit peu tachetées. Ça a l'air très très mignon. Je vous mettrai le lien, de toute façon, j'ai tout pris sur Raskol. Je vous mettrai le lien des articles si ça vous intéresse. Et j'aime beaucoup les couleurs de cette gamme. Il y a aussi pastèque, fruits du dragon. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de fruits version chaussettes et je les trouve très, très belles. Mais j'ai pris déjà celle-là pour essayer. Déjà, j'ai jamais tricoté de chaussettes, donc je vais pas acheter des cargaisons de laine à chaussettes, ce qui a failli y arriver. Et d'ailleurs, sur l'autre site où j'ai commandé, il y a aussi deux pelotes, la laine de base et son contrastant. Bref, j'ai pris aussi du coton pour faire des amigurumis. Il y en a deux que je veux faire. Il y en a un, je vous le montrerai pas pour l'instant, je vous le montrerai ensuite une fois que je l'aurai réalisé. Mais voilà, c'est pour un petit animal. Et un autre, c'est pour faire un buffle version asiatique, puisque l'an dernier, c'est l'année du buffle. Donc voilà, j'ai pris... quelques petites couleurs comme ça pour les faire. J'ai trouvé les patrons sur Etsy. Et ensuite, le plus important,
Alors, j'ai pris des aiguilles circulaires donc pour mes chaussettes. Donc j'ai pris la marque Xiaogu qui m'a été recommandée. C'est assez coûteux, donc j'ai pris la version bambou. Je crois que c'était moins cher, oui c'est même sûr, c'était moins cher que le métal, donc voilà, je vais tenter. Et j'ai pris en 2,25 puisque j'ai vu un petit peu dans les autres chaussettes faites par des tricoteuses, le tissu me plaît mieux en 2,25 qu'en 2,5. C'est les tailles en général utilisées pour faire des chaussettes, même s'il y en a qui utilisent du 2 aussi. Donc voilà, là c'est déjà assez fin. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, j'en ai pris qu'une, même si j'aimerais une seconde paire pour pouvoir faire les deux chaussettes en même temps. On va voir. Je pense que je testerai d'autres marques aussi. Et le dernier, très bien emballé. J'ai pris un kit d'aiguilles circulaires interchangeables. Alors j'ai vu que la pochette puait très fort. Non. On va peut-être changer la version. Non, ça sent pas la fleur, mais ça pue pas non plus. Donc voici mon petit kit. J'ai choisi la marque Knit Pro. J'ai déjà une paire d'aiguilles circulaires de cette marque là et je l'aime bien. Et comme c'est dans les moins chers, voilà, j'ai pris tout le kit de la marque. Je sais plus en quelle matière c'est, donc c'est du métal, mais je sais plus si c'est du laiton ou quoi. Je crois que c'est pas de l'aluminium en tout cas. C'est pas écrit. Du moins pas là. Alors, donc on a 8 aiguilles, ça va du 3,5 au 8. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté aussi à part celle-ci, puisqu'on n'avait pas de 2,25, et en plus apparemment pour les chaussettes c'est mieux d'avoir le câble fixe, puisque là on a les aiguilles et ensuite dans la petite pochette on a les câbles qui viennent se fixer dessus et de quoi les attacher. Hop, ça je m'en fiche. Là voilà, c'est les petites clés pour resserrer les câbles aux aiguilles et les instructions. Voilà pour ça. Je trouve ce petit kit très mignon. Et si vous avez peur de l'odeur, comme c'est dit dans les commentaires du site, le mien ne sent rien du tout. Enfin, il faut vraiment coller son nez pour sentir un petit truc. Il y en a qui devaient le laisser dehors tellement ça pue, et là c'est pas mon cas. Voilà, alors je vous ferai si ça vous intéresse un petit retour sur ce kit d'aiguilles quand je l'aurai utilisé. Puisque avec, je vais me faire, enfin normalement, disons que j'ambitionne de faire un gilet. Et pour ça, il faudra les 3,5 et 4,5. Donc c'est parfait, j'ai ce qu'il me faut. Voilà pour ça. Et du coup, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour vous montrer la seconde commande. Alors qui devrait arriver d'ici 2-3 semaines. C'est un peu long, mais c'est de la laine de chez Drops et apparemment les arrivages sont assez peu fréquents ou du moins prennent du temps. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour vous et à dans quelques temps pour moi. Finalement, on se retrouve un petit peu avant. Là, on est quelques jours après que je vous ai montré ma commande et j'ai avancé sur ma première chaussette. Alors je sais pas comment vous la montrer pour que vous la voyez à peu près bien. Voilà. Donc pour commencer, j'ai fait en taille 10 mois, 1 an, voilà. Comme ça, ça monte vite. Et pour s'entraîner, c'est pas mal de choisir une taille un peu plus petite. Donc voilà, j'ai suivi le tuto. Oui, on peut appeler ça tuto, disons une série de vidéos, c'est un petit cours en ligne en fait de Claude Tricot. Donc je vous mets sa chaîne YouTube et ses vidéos surtout dans la barre de description. Et donc voilà, on monte une pointe, on tricote jusqu'au talon, on fait le talon et ensuite la tige, là où j'en suis actuellement,
Je pense que je vais la laisser de cette longueur-là. Je vais essayer de vous la montrer un peu de côté. Comme tout à l'heure. Voilà, la hauteur me semble pas mal. Et ensuite, je vais monter quelques côtes. Alors, j'avais pas beaucoup de pelote, j'avais 35 grammes. Pour une paire adulte, on compte en général 50, à peu près, disons au minimum, je pense 50 pour une paire adulte. Et là, j'en ai largement trop pour ces toutes petites chaussettes. Et j'ai pas envie non plus de trop monter parce que ben, c'est un bébé, donc il a les mollets potelés. Et après, j'ai peur que ça ne passe pas, même en faisant des côtes. Donc voilà, on verra. Tant pis s'il me reste un peu de laine. Ça me servira de contrastant après pour une autre paire pour mon bébé. On verra bien. Voilà, je suis bien contente. Alors même s'il y a des ratés, par exemple ici, je sais pas si vous allez voir si on voit bien. Il y a un trou. Parce que je sais pas ce que j'ai bidouillé à un moment avec mon talon. Je me suis retrouvée à tricoter sur l'envers. Donc ça devenait un point mousse au lieu d'un point jersey. Enfin. Voilà, bon, de toute façon, je vous en reparlerai dans la vidéo qui sera vraiment dédiée aux réalisations tricot. Ouais, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, comme je vous disais il y a quelques jours et il y a quelques secondes pour vous. Je voulais revenir sur les aiguilles interchangeables. Je vous avais dit que je ne savais pas en quoi c'était. Et j'ai même dit, je pense pas que ce soit en aluminium. Eh bien, si, c'est en aluminium. Voilà, donc si ça vous intéresse, sachez qu'elles sont très légères, du coup. Je vous retrouve, nous sommes le 23 février. Je sais plus exactement quand est-ce que je vous avais pris la dernière fois, mais il y a quand même un petit moment, je pense. Alors, j'ai fini ma toute petite chaussette. Le problème, c'est qu'elle est trop petite. Alors, en taille comme ça, clairement, c'est la taille de ses chaussettes, voire même un peu plus. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup moins élastique. Et surtout, je me suis plantée dans les côtes. Et je pense que c'est ça aussi qui rend le passage du pied moins facile. Parce que du coup, c'est moins élastique. Et j'ai rabattu mes mailles d'une manière logiquement qui est censée rendre le travail beaucoup plus élastique, enfin c'est un rabattage très élastique normalement, et clairement il y passe pas son pied quoi. Donc là je l'ai quand même lavé, là elle est complètement trempée, je l'ai lavé, je vais pas spécialement la bloquer, mais je l'ai un peu étiré tout ça pour voir ce que ça va faire, peut-être après séchage ça ira peut-être mieux, je ne sais pas, on va tenter ça. Sinon je pense que soit je laisse comme ça et tant pis, ça lui ira pas, ça ira peut-être pour un deuxième bébé ou ça n'ira jamais, tant pis, ça restera un entraînement. Soit j'enlèverai les côtes et je les referai si j'arrive à récupérer mes mailles parce que ça c'est un truc que je déteste faire, en général il y en a toujours une qui se perd. En tout cas, j'ai commencé la deuxième chaussette parce que j'ai quand même envie de faire la paire. Et si celle-là lui va, ben, ça sera une raison de plus pour défaire les côtes de l'autre et les recommencer. Alors là, j'ai qu'un tout petit début. Normalement, j'aurais pu vous en montrer plus que ça. Je pense que si j'avais filmé il y a 2 heures, voilà, en début de matinée, vous auriez vu la pointe est déjà bien faite. Mais je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, non, les jours passés. Je me suis un peu emportée sur les augmentations, j'avais trop de mailles. Donc voilà, j'ai essayé de défaire, j'ai perdu une maille, donc tant pis, j'ai tout défait et voilà, heureusement que j'en étais qu'au début. Donc j'ai qu'une toute petite pointe. Voilà, si je vous la plie, tac, voilà le bout du pied. Donc voilà, là je vais avancer sur ça, de toute façon j'ai largement quoi faire. J'aurai même largement de quoi faire. Une chaussette supplémentaire, voire une paire. Donc voilà, c'est pour ça que la première, on verra bien ce que ça fait. Là, je la refais à l'identique. Je refais le même nombre de mailles. Mais je vais tâcher de moins serrer au niveau de la tige. D'être plus souple, parce que là, j'ai trop serré, je pense. Et je tâcherai aussi de réussir mes côtes, parce que là, ça resserre rien. C'est n'importe quoi. Elles sont en zigzag. Enfin, voilà.
Après, c'était l'entraînement, mais bon, j'espérais quand même qu'il puisse. Que mon fils puisse les porter. Mais tant pis. Il me semble que je vous avais dit que j'avais ça en projet, je sais même plus. Oups. Ma petite pelote de mohair. Alors, voilà le châle que je fais en ce moment. Alors, j'ai un tout petit câble, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Oh, ça fait bizarre, la couleur... l'écran, elle est beaucoup plus foncée. Enfin, ça paraît plus jeune. Alors là, on voit beaucoup plus les speckles de couleur en vidéo qu'en vrai. Mais voilà à quoi ressemble mon châle pour l'instant. Donc, il est très long. Voilà. Et j'avais eu un coup de cœur quand j'avais vu ce châle. J'aime beaucoup parce que j'avais vu une photo et ça faisait vraiment... là, on voit un peu vraiment transparent, quoi, là. Et je trouvais ça magnifique. Voilà. Je le fais avec de la fingering et du mohair de chez Célène. Est-ce que j'ai l'étiquette? Voilà. Célène, donc vous le voyez à l'envers. Peut-être qu'à l'image, après au montage, j'aurai inversé l'écran. C'est écrit C'Len et elle a une boutique Etsy. C'est là où j'ai acheté ma laine. Et c'est la teinte Rose and Choco. Voilà, qui est comme ça avec des petits speckles rose et marron. Voilà. Rose and Choco, quoi. Donc voilà, je fais ça, mais comme là j'étais sur mes chaussettes, j'en ai pas tricoté beaucoup. J'avais un bon rythme à un moment. Et voilà, là de ce côté-là, en fait, c'est un châle asymétrique. Si vous connaissez le modèle, je vous mettrai certainement une image sur l'écran. Donc en gros, il me reste ça de rang x2. Donc voilà, ça à peu près. Ouais, ça fait pas mal quand même. En gros, il me reste 2. Il me reste 60 rangs. C'est pas mal quand même. Surtout qu'il y a quand même 200 mailles dessus. Puis là, je suis dans la partie mohair, c'est la pire. Je déteste tricoter le mohair, mais vous voyez, c'est très joli cette alternance. Dentelle, mohair, point mousse. Après, ça finit avec des rayures, donc je me dis que ça passera peut-être un peu plus vite le fait de changer de laine. Voilà, bref. Voilà, donc ce que je disais, c'est que ça a beaucoup ralenti pour ça, mais j'aimerais quand même le finir bientôt, parce que je l'ai commencé quand même début octobre, mais il y a eu des périodes assez longues où je ne le tricotais plus du tout. Donc voilà, parce qu'ensuite, j'aimerais faire donc le cadeau que je vous ai dit. Je veux faire cette amigurumi. Donc... un petit ourson comme vous le voyez. Je sais pas encore dans quelle couleur je vais le faire. Je pense que je vais le faire en blanc. Et voilà, donc c'est pour faire un cadeau, hein, comme vous avez compris. Je veux faire donc celui-ci assez rapidement là. Je vais essayer de le faire pour début mars. Mais sinon, tant pis, je le garderai, je pense, pour un cadeau de Noël. Et j'aimerais faire celui-ci aussi. Donc l'an dernier, c'était l'année du buffle. Et du coup, il y a Madé Lennon, c'est elle aussi qui a fait le patron juste avant, qui a fait un petit buffle comme ça, façon Nouvel An chinois. Et comme mon fils est né l'an dernier, du coup, lui, il est buffle. Et je voulais le faire pour sa décoration, voilà, dans sa chambre. Ça sera pas un doudou, une peluche, mais voilà, ça sera en décoration. Je trouvais ça mignon. Et du coup, elle en fait chaque année. Donc là, c'est l'année du tigre. Elle a aussi fait le tigre. Et je pense que l'an dernier, c'était la première fois qu'elle en faisait sur ce thème-là, parce qu'il n'y en a que deux. Voilà pour ça. Je crois que j'ai terminé. Ah, j'ai reçu plusieurs choses. Je vais vous montrer. J'ai reçu ce que vous avez déjà un peu vu. Ce sont ces aiguilles circulaires en 2,25.
que j'ai commandé sur AliExpress parce que j'en avais acheté de la marque Xiaogu, qui est une marque reconnue voilà, dans le monde du tricot. Je les avais pris en bambou parce que moins cher que le métal, je crois que je vous l'avais dit quand je les ai reçus. Mais je suis vraiment pas fan des aiguilles en bois et je voulais deux paires d'aiguilles pour pouvoir faire une paire de chaussettes en simultané. Et je voulais pas mettre aussi cher et j'avais une commande à faire sur AliExpress et j'ai vu du coup qu'ils avaient ces mini circulaires. C'est circulaire, c'est pas des mini circulaires. En 80 cm, j'ai pris la même taille, donc évidemment en 2,25, et elles sont très bien, du coup en métal, mais par contre elles sont pas du tout pointues. Je pense qu'ils doivent en faire des pointues, mais moi j'aime pas du tout vu que je pousse avec mon index les mailles. Si c'est trop pointu, ça me blesse. D'ailleurs, les celles en bambou sont pas censées être trop pointues et ça m'a quand même blessé le doigt, donc voilà. Et elles sont plutôt pas mal, c'est juste le câble qui est quand même très rigide. Donc voilà, c'est pas très pratique quand on se met comme ça. Le fait qu'il soit aussi rigide, parfois il passe un peu devant et tout ça, mais bon. Mais sinon, aucun souci, je les trouve plutôt très bien. Je m'en suis pas encore servi beaucoup puisque j'ai juste commencé avec cette chaussette-là. Mais très bien. Ensuite, dans un autre projet que j'ai, je vais devoir faire des torsades. Du coup, je voulais prendre bah, des aiguilles à torsades. Donc voilà, j'ai pris ce petit kit-là. Dans les tailles, on a du 3 et 2 de 4, apparemment. Voilà, et avec, il y avait aussi ces crochets-là, voilà. Peut toujours servir. Donc voilà, ça, je sais plus non plus combien j'en ai eu. Dans les 2-3 euros, je dirais. Pareil pour les aiguilles. Je vous retrouve encore une fois plus tard, quelques jours plus tard. J'ai bien avancé sur mes projets en cours, surtout un, et c'est celui-ci. Donc je vous avais dit que je voulais le faire pour un cadeau. Par contre, désolé pour l'exposition, il fait très soleil aujourd'hui, c'est plutôt cool, mais pour filmer, pas trop. Donc voilà où j'en suis. Je l'aime trop, il est trop mignon. On est le 8 mars, c'est un cadeau pour le 9. Donc comme vous voyez, ça va être compliqué de l'offrir pour le jour même. En fait, j'ai eu un petit souci, c'est que il est plus grand que la version de la créatrice. En tout, normalement, il est censé faire 21 cm. Moi, j'ai pas fini et je pense qu'il sera un peu plus grand que ça. Et en plus, comme ma laine est plus grosse, un tout petit peu, j'ai augmenté la taille de mon crochet. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai pas eu assez de laine. Il fallait 50 grammes pour tout faire. Et j'ai même pas assez pour finir la tête, les oreilles et la queue. Donc voilà, bon bah tant pis, il sera pas offert. Le jour de l'anniversaire, de toute façon, je dois l'envoyer par la poste. Donc, même si je l'avais fini à temps, c'est pas dit qu'il serait arrivé le jour même. C'est pas très grave. Je vais pas attendre Noël pour l'offrir. Tant pis, ça arrivera. Là, j'ai recommandé de la laine qui a été expédiée aujourd'hui, donc qui devrait être terminée avant la fin de semaine. Donc, j'espère que semaine prochaine, il arrivera à destination. Il n'y aura que quelques jours de retard. Bon, c'est pas très très grave. Je pense pas que la personne qui le reçoive m'en tienne rigueur. Je lui ai mis ses petits bras. Par contre, c'est la deuxième fois que je fais un amigurumi. Et à chaque fois, mes bras sont décalés. Ils sont toujours comme ça. Il y a toujours un bras un peu vers l'arrière. Mais c'est très fermement cousu. J'ai passé plusieurs fois et tout ça. Et pourtant, je lui avais même aplati sa tête pour être sûre d'être au milieu et tout ça. Et je suis pas très bien centrée. Bon, il n'y a pas énormément de différence. Mais voilà, ça m'embête un peu. Après, comme ça, je sais pas si ça se voit. Je lui ai fort rembourré les bras aussi pour pas que ça se déforme avec le temps. Et voilà, je le trouve trop trop mignon. Je vous avais montré déjà le modèle et je le remettrai dans la barre de description. Pareil pour la laine bleue.
J'avais utilisé une toute petite pelote de chez Action, c'est la Glitter, et j'en ai pas eu assez. Elle est vraiment toute petite, je pensais que ce serait suffisant juste pour faire son vêtement et le dessous des pattes, mais non. Donc ce que j'ai fait, c'est que à Action, j'en ai acheté une comme ça, donc une grosse, hein. Une grosse de taille standard, on a 50 grammes. L'autre devait faire 25. Et par contre, celle-ci n'est pas glitter, elle n'a pas le fil lurex avec. Donc j'ai utilisé une petite bobine de fil lurex que j'avais, qui est dans un kit de chez Lidl, qu'on retrouve parfois. Et voilà, j'ai doublé et ça fait à peu près pareil. Il est juste un tout petit peu plus clair que la pelote glitter. Donc ça se voit pas, ça fait un joli petit dégradé, je trouve, sur les bras. Et là, avec la lumière, vous le verrez même pas, je pense. Ici, il a des petites pommettes. Pareil, on voit pas très très bien, c'est pas très lumineux. Je mettrai des photos très certainement à l'écran, puisque je le prendrai en photo une fois fini pour le mettre sur mon compte Instagram. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas utilisé la laine blanche parce que la Katona de Chips, je sais jamais comment on dit, elle existe en blanc, très blanc, et en écru, et moi j'ai choisi en écru. Voilà. Après, comme c'est un ours polaire, ça aurait fait bien aussi en vrai blanc, mais comme ça, je le trouve déjà très très bien. Ah, j'aime trop sa tête parce qu'elle ressemble bien au patron. Le premier que j'avais fait, c'était pas exactement pareil, le museau, tout ça. Mais là, j'aime bien le fait que le museau soit crocheté aussi. Il n'est pas brodé, il est crocheté. Alors, en tournant les derniers plans de la vidéo, je me suis rendu compte que je vous avais pas filmé le haul de la laine que j'ai reçue. Donc, vous saviez que j'attendais depuis un petit moment. J'avais commandé début février, ça a dû arriver autour d'avril. Donc voilà, pour me faire un gilet, je vous mets le modèle à l'écran. Je sais pas du coup quand est-ce que je vais le faire. J'avais prévu de le faire pour le printemps. Bon bah voilà, hein, on est en plein été. Donc j'ai pris de la Kid Silk. Donc tout vient de chez Drops. C'est la teinte 41. Et je vais doubler avec de la Lima. Et là, c'était celui-ci qui était toujours en rupture de stock. C'est le 90-10. Alors, c'est laine et alpaga. Et la kid silk, bon, bah, il y a de la soie, comme son nom l'indique. Bah, mohair et soie. Je sais pas pourquoi je regarde. C'est évident. Donc voilà, les deux fils doublés. Je pense que le coloris devrait être ce que je voulais. Voilà, ce gris-là est très froid et c'est ce que je voulais. Et du coup, ça fera, je pense, bah, c'est même sûr, un petit gris rosé. Voilà, assez léger. On verra bien. J'espère que ça va me plaire en tout cas. Et avec ça, j'ai pris deux pelotes de chez Drops toujours, c'est de la Fabel, c'est leur laine à chaussettes. Donc c'est de la laine super wash. Et la teinte, donc il y a la 107 pour faire mon contrastant. Et de la 917, c'est de la laine auto-rayante. Voilà, du coup, bah, il n'y a plus qu'à. On se retrouve bien plus tard. Là, j'étais en plein montage de la vidéo et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fini. On s'est quitté quand j'étais en train de finaliser l'amigurumi ourson. Donc, lui est terminé. Je vous ai mis des photos ou alors je vous les affiche juste à l'écran maintenant. Il a été expédié, il a bien plu, pas de soucis. Concernant les chaussettes et le châle, j'ai complètement stoppé. Alors, je vous disais, je veux me remettre au tricot, là, c'est sûr et tout. Bon, finalement, il y a eu une grosse pause. C'est tout bête, en fait. J'ai simplement rangé ma laine que je laissais toujours à côté de moi dans le salon. Je l'ai rangée dans l'atelier et du coup, bah, j'ai plus jamais pensé à le reprendre. D'habitude, j'en faisais un petit peu les soirs et là, plus du tout.
Donc on est là en été. Vous allez d'ailleurs voir le vlog en été parce que là, c'est sûr, il sera monté et fini et vous pourrez enfin le visualiser depuis Noël dernier. Il serait temps. Et donc pas de chaussettes, pas de châle, rien du tout. Maintenant, il fait un peu trop chaud pour que je continue parce que moi, j'arrive pas à envisager de toucher de la laine et de tricoter, d'avoir un gros châle sur les genoux en plein été. Donc, je pense continuer ça quand les températures vont redescendre, donc certainement à l'automne. Peut-être que les chaussettes, je pourrais les commencer là sans trop tarder parce que ça va, ça tient pas trop chaud non plus. Je verrai. En tout cas, ça fera l'objet soit d'un autre vlog, soit d'une vidéo. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ce vlog-là, une vidéo dédiée au tricot et au crochet. Comme ça, ceux qui s'intéressent pas à ça ne regarderont pas, et ceux que ça intéresse auront une vidéo exclusivement sur ça, voilà, qui mélangera pas couture et tricot slash crochet, même si il n'y a pas eu beaucoup de crochets à part l'ourson, mais il a été offert donc je pense pas l'intégrer à la vidéo. C'est pour ça que je vous en ai un peu plus parlé dans cette vidéo aussi. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas, comme je vous en parlais un peu plus tôt dans la vidéo, de me dire quels sont vos projets sur 2022, que ce soit pour des cadeaux de Noël ou autre, et s'il y a des petits défis que vous vous lancez, comme moi, faire une braguette. Peut-être en fin d'année. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve bientôt, j'espère.